Et yo tout le monde, c'est Max Blade. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dragon Ball Legend, vidéo invocation sur les portails des 1 an du jeu. On va aller regarder très rapidement sur quel portail invoquer et pourquoi. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous, c'est super important. Activez la cloche pour voir les prochaines vidéos. Et vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui seront dans la description. Alors, on a donc le portail de Vegeta et le portail de Goku, qui sont ici et ici. Si on regarde le portail, par exemple, donc là, le Goku, obligatoirement, on ne l'a pas. Le Frieza, pareil. Le Super Vegeto, identique. Et après, ça va être selon les box. Par exemple, le Gogeta, je l'ai. Le Goku, je l'ai. Le Majin, je ne l'ai pas. Le Black, je ne l'ai pas. Le Goku, je l'ai. L'autre Goku, je l'ai. Mai, je l'ai. Couleur, je crois que je ne l'ai pas. Bojack, je l'ai. Gohan, je l'ai. Videl, je l'ai. Ribrian, je ne l'ai pas. Le nouveau Extreme Virus, bah, je ne l'ai pas, en logique. Janemba, je ne l'ai pas. Et Bou, je ne l'ai pas. Trunks, je l'ai. Bulma, je ne l'ai pas. Donc voilà. Là, on est à 9 Sparking que je n'ai pas. Si on va sur le portail du Vegeta, on va faire pareil. Bah, je ne l'ai pas. Et j'ai 9 Sparking que j'ai, pardon. Ceux-là, je ne les ai pas. Le Bardock, je ne l'ai pas. Le Gohan, je ne l'ai pas. Janemba, je crois que je l'ai. Oui, je l'ai. Zamasu, je ne l'ai pas. Cell, je l'ai. Vegeta, je l'ai pas. Goku, je l'ai. Mai, je l'ai. Slug, je l'ai. Bulma, je ne l'ai pas. Chichi non plus. Videl non plus. Gohan, je l'ai. Et sur les extrêmes, bah, je les ai pas. Donc on est à 9 Sparking que je n'ai pas sur Goku. Et 5 ou 6 que j'ai pas sur Vegeta. Et bah le choix il est vite fait. On va aller sur Goku puisqu'il y a plus d'unités que je n'ai pas que sur le Vegeta où j'en ai. On va donc commencer par la première multi. Je ferai une vidéo analyse des unités que j'aurai droppées plus tard. Je vais pas faire les analyses de tous les personnages. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Donc j'ai 5500 cristaux. Et on est parti. Donc ça rame un peu. Je crois que j'ai pas téléchargé les données en plus. Donc là ça nous donne rien sur l'animation. J'aimerais bien avoir un peu plus de chance que ces derniers temps sur le jeu. Je rappelle que c'est un compte free to play. Et donc les cristaux bah, sont pas illimités. À la fin de la vidéo, on ira invoquer le Shenron aussi, puisque j'ai eu les 7 boules de cristal sur le petit event des QR codes. Donc là, pour l'instant, on n'a rien de nouveau. Bulma enfant, je ne l'ai pas, je prends. Krillin. Le Bardock extrême, je l'ai. Un sparking, C18, donc ça doit être la C18 bleue que j'ai pas non plus, donc je prends. Caulifla. Donc voilà, première multi à 500 cristaux, assez rentable, un sparking que j'ai pas, une extrême que j'avais pas, à savoir que c'est pas ce qu'on veut, c'est sûr, mais on prend, on est free to play, on prend. On va donc attaquer le deuxième tirage à 700 cristaux, où c'est minimum des extrêmes garantis. Allez, donne-nous quelque chose de bien, ce serait cool. Sparking garantie, on a le glissé bleu. Bleu et jaune même. Mais c'est pas une nouvelle animation, donc ça ne garantit pas un nouveau. Ça roule. Le Vegeta extrême.
un autre Vegeta extrême. Doria. Donc là, de toute façon, on n'aura que des extrêmes minimum. Thales. Encore le Bardock. Krillin. Un Sparking. Mai. Très très bonne carte. On prend les doublons. Et un nouvel extrême que j'avais pas non plus. Le Gohan. Le Murray Gohan. Donc je prends également. Bardock arrête pas de nous suivre, mais ça c'est parce que il est derrière juste là. Ok, donc là on passe au palier 3, où on a une multi pour 1000 cristaux et un ticket Sparking garanti qu'on ira invoquer juste après le palier. Tout simplement parce qu'après on reviendra à chaque fois au palier 4. Et si on a par exemple là sur la même multi le Végéto, le Goku, ben, on passera sur le Végéta histoire de rentabiliser les cristaux. Végéta lui met une patate au freezer. Allez. Un truc bien, ce serait cool. On a tellement pas eu de chance ces derniers temps sur les invocations, que ce soit sur Dokkan ou sur Légende, que là, il faut que ça tourne. Sparking. C'est Lapin. Pas de chance sur ce coup-là. Allez, peut-être un deuxième, ce serait... Non. Donc on a eu que Pan, qui nous sert à rien parce qu'on est très très loin du limit break. On va aller invoquer le Sparking. Garantie. Allez. Ah, téléchargement, j'avais pas téléchargé les données, donc c'est obligatoirement, normalement, une nouvelle carte. Et on a l'animation qui va avec. Végéto ou Goku, en priorité, Végéto de préférence. Et on aura Freezer. Il est très très bien, l'artwork est magnifique. Golden Freezer, nouvelle carte, on prend sans hésiter. Là, on va juste aller voir son artwork vite fait. Oh, il est excellent. Voilà, c'est en switchant sur le côté. Oh là là, magnifique dans ce sens-là. J'adore. Ok, bon, moins, on a au moins une nouvelle unité, on a le Freezer. On va donc continuer au palier 6. Non, on est au palier 4 seulement. Sparking encore. Le taux de Sparking, même si c'est pas ce qu'on veut, qui tombe, est assez impressionnant. Ces derniers temps, je chopais pas de Sparking du tout. Là, j'en attrape. J'ai quand même une box où il en manque énormément, donc voilà. On prend, on prend, on prend. Végéta qui apparaît. Allez, donne-nous un bon Sparking. J'aimerais bien aller invoquer un peu sur le Végéta. Il y a le Whis extrême qui est juste excellent. Cyberman, Piccolo. C'est le Sparking. Un doublon du Freezer. On prend 100%. On aurait pu être un Goku, mais bon, on prend. On va pas faire la fine bouche. Voilà, au moins on a le Freezer qui passe. 3 étoiles. Quelques limites break au passage. Et donc ça libère 22% de l'attaque d'énergie pour la classe généalogie maléfique. Ok. Allez, on continue. Palier 5. Je pourrais faire seulement un seul step-up. C'est pour ça que j'aurais bien aimé dropper au moins un Goku avant. Ça risque d'être une multi sans rien. On a eu pas mal de chance jusque-là.
et on perd. Ça sent la foule héros. C'est 20. Un extrême. Le Gohan. Donc on n'a pas eu quand même masse de nouvelles cartes. Hein. On en a eu quelques-unes, donc c'est toujours bien. Bon bah voilà, le Beerus extrême, très bien. Ok. Le palier 6. Bon, on continue, on n'a pas le choix. On a pris une décision, on va rester sur le Goku. Si j'arrive à avoir quelques cristaux, je referai au moins les premières étapes du Vegeta. Déjà, on a le Freezer, on a quelques extrêmes qu'on n'avait pas. Égalité. Japo. Extrême. Le Goten. Extrême. Daimao. Encore un extrême. Le Cell, forme de base. Voilà. La multi qui ne sert à rien. Et du coup, on va passer au palier 7 qui est une multi gratuite. Et après, vous voyez, j'ai plus de cristaux. Donc malheureusement, on s'arrêtera là pour ce portail-là. Goku Freezer qui s'esquive. Glissé rouge. Donc c'est de l'extrême garantie. On perd. Ça craint. Un extrême. Tenshinhan. Et on n'a pas de chance quand même. Voilà, donc là à chaque fois, vous voyez, on repart au palier 4. Le palier 4, je le rappelle, ça nous donnera un ticket et il nous faut 1000 cristaux. Et ben, on va s'arrêter sur ce portail-là. Bon, on a eu le Freezer quand même. J'essaierai vraiment de gagner au moins quelques cristaux pour faire le Vegeta. On va faire, tant qu'on y est, l'invocation gratuite du jour. Instant père. Donc je sais que j'ai encore pas mal de cristaux à farmer dans l'émission, le mode histoire, tout ça. J'aurais peut-être de quoi pouvoir faire dans quelques jours le palier Vegeta, au moins jusqu'au troisième ou quatrième, histoire de le tenter, d'avoir le ticket garanti. Donc on le laissera bien sûr. Voilà, on a eu absolument rien non plus. J'ai pas énormément de chance quand même. C'est vrai que en ce moment les jeux c'est compliqué. Je vais pas me plaindre, j'ai quand même une nouvelle unité. J'ai eu quelques cartes que j'avais pas. On est free to play, donc on prend toujours les cartes qu'on n'a pas. On va continuer. Parce que j'avais fait aucune invocation exprès pour les garder pour là. On va faire le shutdown. Et on terminera par invoquer le dragon. Bon, on va la passer. Voilà, Trunks. On va faire le Broly. Donc bon, espérons que sur le portail de Vegeta, on ait un petit peu plus de chance. Bon, c'est sûr que dans l'idéal, on voudrait le Vegeto. Maintenant, même si j'obtenais un DSSJ Blue,
Je serais très content. Et ça nous poursuit, on n'a pas de chance. Après, on est sur les packmètres. Pour l'instant, je garde mes cristaux. Donc, on va invoquer maintenant le dragon. Légendes, oui. Alors, je vais essayer quelque chose. Voilà. Tournez délicatement votre caméra vers une. Ah non, faut vraiment le mettre en surface plane. On va le mettre là. D'accord. C'est assez galère. Je suis pas dans une bonne pièce. T'es où? Elle est où ta tête? Ah, elle est vraiment là. Voilà. Faites un vœu. Fais-moi devenir le plus fort du monde. Donne-moi plein d'énergie, donne-moi plein de zénith, donne-moi plein de cristaux du temps. Et ben, on va repartir sur 1000 cristaux du temps. Donc en même temps, vous voyez des choses que je vous montre pas d'habitude, c'est la salle de jeu de mes enfants. Et voilà. On est revenu du coup avec 1000 cristaux. Et ben, on va en profiter. On va en profiter. On va aller faire je vais n'importe quoi. Si je dis pas de bêtises, on va pouvoir lancer quelques multis du coup sur Vegeta. Pour l'instant, ça nous donne absolument rien de plus. Chaos. Goten. Cell. Kabe. Nappa. Ouais, on se tape un peu. Un peu difficile là, hein. Honnêtement, je sais pas grand-chose. Absolument rien même. Même pas de limite break, rien. On va passer au palier 2, qui va nous donner extrême minimum. Si on drop quelque chose, ce serait cool. J'essaierai d'avoir... Ah, TP. Donc je crois que c'est Sparking Garantie. Allez, donne-moi le Vegeta. C'est 18. Deuxième Sparking. La peau. Je suis maudit. Le slug en extrême que j'avais pas, donc on prend. Pour moi, la C18 passe 3 étoiles. Le nouveau slug. Et voilà. On n'a pas eu de chance du tout. Je vais vraiment essayer de récupérer et avec les QR codes et avec les cristaux qui me restent, etc. Quelques cristaux pour pouvoir du coup au moins avoir le ticket Sparking garanti et espérer avoir autre chose que le Freezer, mais avoir un nouveau quand même. Donc soit le Végéto, soit le Végéta. Et puis je referai une VOD rapide pour ça. Donc on va se laisser là pour cette vidéo. Prochainement des vidéos, analyses, surtout sur le Freezer. Et on va tester un peu les nouvelles unités, les monter avant tout et tout ça. Et on refera ça. Alors peut-être même en live, pourquoi pas.
Je vais en profiter et puis on verra. En attendant, on va aller, du coup, aller farmer quelques cristaux. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bonne chance pour vos poules. J'espère que vous aurez ce que vous voulez. Et on se retrouve très très vite. À plus. Ciao.